L'appellation Babimbi Ngolong, j'ai dit, c'était des appellations qui étaient péjoratives et qui pouvaient, n'est-ce pas, nous amener à des confrontations complètement inutiles. Nous sommes tous un même peuple qui a les mêmes origines, c'est-à-dire que les ancêtres ont d'abord séjourné du côté de Ngorlitouba, Ngorlitouba qui est une localité dans l'arrondissement de Nyanon, n'est-ce pas, quelque part dans la Sanaga maritime, un peu au nord-est, la Sanaga maritime, près du fleuve Sanaga, sur sa rive droite. Alors, lorsque ils sont partis de là, c'était à l'occasion, n'est-ce pas, des bousculades à la suite de la traite négrière, n'est-ce pas, les ancêtres sont partis de là, dans la nuit, et certains ont choisi de traverser le fleuve, oui, n'est-ce pas, et il faut comprendre qu'il n'y avait pas de pont, ou pour traverser, c'est pas de pirogue particulière, mais ils ont choisi de braver, n'est-ce pas, les flots de la Sanaga dans la nuit, et ils ont traversé. Alors certains sont arrêtés dans la localité qu'occupe aujourd'hui les Bekok, n'est-ce pas, les autres ont remonté, sont allés toujours vers l'est, et sont aujourd'hui dans la zone qu'on appelle le Nyong-Ekele. Voilà, alors ils vont considérer que des frères qui sont restés, parce qu'il était question de partir tous, mais certains ont refusé, voilà. Et c'est eux qu'on appelle donc les Babimbi, c'est-à-dire, Babimbi vient du terme couché, Bimbi, c'est-à-dire couché, hein, couché paresseusement. Voilà, donc ceux qui sont restés couchés de façon paresseuse sont les Babimbi. Ceux qui ont traversé, en fait, oui, on les appelle, Ngolong maintenant vient de quoi? C'est que lorsque les colons arrivent, s'installent, ils font le chemin de fer et la route qui part de Douala pour Yaoundé. Or, ils n'avaient pas des engins. Ce n'était pas comme vous voyez aujourd'hui les travaux de l'axe lourd ou bien de l'autoroute. Ce n'était pas eu des engins. Tous les travaux-là étaient faits à la main. Et ouais, et par des travaux forcés. C'est-à-dire que ce n'était même pas des travailleurs rémunérés qui faisaient ce travail-là. Donc, et la route partait de Douala pour aller à Yaoundé. Donc, lorsque vous entendez Ngolong, ça rejoint le terme, ça veut dire la tête du chantier. Donc, ouais. Sur la route. Ouais. Donc, la tête du chantier, la route allait de Douala vers Yaoundé. Or, ça voulait dire aller vers l'est, n'est-ce pas? Donc, Ngolong, c'est la tête du chantier. Hein, c'est un peu ça. Ce n'est pas autre chose, comme d'aucuns ont souvent tendance à dire que c'est les têtes dures, donc Ngolong, machin. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Alors, je vous ai cité le Mbong Matouk, auquel moi j'appartiens. Je vous ai cité le Oum, n'est-ce pas, qui appartient particulièrement dans le Nyong-Ekele. Il appartient à cette famille, n'est-ce pas, dans le Nyong-Ekele. Mais il est toujours aussi sur la rive de la Sanaga. Je vous ai cité le corps qui est la confrérie dédiée aux femmes. Voilà. Il y a le Ngué, n'est-ce pas, qui est une confrérie extrêmement importante, ou qui était, qui n'a presque plus de rôle aujourd'hui, parce que le Ngué, c'est la confrérie armée, n'est-ce pas? Oui, des guerriers. C'est eux qui étaient chargés, je dis, de la protection des hommes et des biens, n'est-ce pas? Si les troubles venaient de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a la confrérie du Mbak, n'est-ce pas? C'est cette confrérie qui joue un peu le rôle des sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Ouais. Et je dis même les sapeurs-pompiers d'aujourd'hui sont souvent équipés, mais on ne peut pas les comparer. Le Mbak est plus puissant parce que le Mbak ne se limite pas à éteindre le feu, n'est-ce pas? Ou à repêcher les gens dans l'eau, le Mbak prévient les accidents. Ouais. Parce que il est question, n'est-ce pas, dans le Mbok, que les problèmes qui nous arrivent n'ont pas seulement une origine physique. Elles ont ces problèmes, ils ont des origines métaphysiques. Voilà. Donc il faut rentrer dans l'invisible pour voir pourquoi cela vous est arrivé. Pourquoi ce n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre. Donc, il faut soigner l'origine de ces problèmes.
Voilà, c'est pour ça que les Mbambara sont généralement issus d'une famille qui a eu un cas d'accident mortel, c'est-à-dire quelqu'un est mort de façon accidentelle. Alors on estime que cette famille a été traumatisée, elle est malade, elle a été malade. Donc lorsqu'on soigne la famille, on prend quelqu'un de cette famille et on en fait un Mbambara, c'est-à-dire un prêtre du Mbak, qui est désormais chargé d'aller soigner d'autres cas qui peuvent arriver. Alors, le Mbak s'occupe des cas de noyade, toutes les morts accidentelles, par le feu, par l'eau, par la terre, un arbre est tombé sur quelqu'un, n'est-ce pas, et tout, il faut comprendre. C'est eux qui ont intervenu à Ezeka dernièrement lorsque le train a déraillé, voilà. Alors, comme on court, je vais citer des conflits principaux. Il y a le Ndjik, n'est-ce pas, le Ndjik, et les prêtres du Ndjik s'appellent Ndjenjega. Ouais. Alors, le Ndjik, c'est une autre confrérie, elle qui s'occupe de la justice immanente, de la justice divine, qui est incontournable, qu'on ne peut pas fuir. C'est-à-dire, lorsque quelque chose de grave est arrivé, on a demandé qui l'a fait. Personne ne veut répondre. On dit, ok, puisque la chose est arrivée, personne ne veut reconnaître, ok, on appelle les Ndjenjega, ils vont venir faire le rituel. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent pas, ils seront rattrapés d'une façon ou d'une autre. Et le Ndjik peut être utilisé pour des choses qui sont passées comme pour des choses à venir. C'est-à-dire, oui, oui, ah oui, très important. C'est-à-dire, nous pouvons faire notre contrat maintenant. Nous faisons notre contrat ici. Mais comme on ne sait jamais, il y a toujours des gens tordus, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas respecter les clauses du contrat. Alors, on dit, ok, on appelle un Ndjenjega. Il vient confirmer notre contrat. Comme ça, celui qui va l'enfreindre va écoper.